Mallette. Mallette pour le premier jeu en avantage numérique. On s'approche de la cage de rebond. Le palais toujours libre derrière la cage. Ça va ressortir, non? Manabian ferme bien. Mallette qui organise le jeu offensif. Le tir repoussé, touché par Sébastien Rebond. La vitesse de Desrosiers. Le petit pont de Desrosiers qui passe. Lancé du revers. Il préfère conserver le palais, s'appuyer sur son défenseur. Attention de prendre zéro par la cage. Et c'est Rec qui rate la cage. Derrière, il y avait une ouverture pour les Rouennais qui n'ont pas pu récupérer le palais. Des attaquants assez rapides. On revoit l'action de Rec, là, 2 contre 0. C'était une grosse, grosse occasion de but. Regardez, hein, s'il réussit son geste, si elle est cadrée, c'était un goal. Il rate, il manque son tir. Et Grenoble a disputé 5 matchs de plus de play-off. Bonne mise en échec là sur Julien Desrosiers pour permettre aux Grenoblois de récupérer le palais dans leur propre zone. Attention, ne pas le perdre. Interception, la passe devant la cage. Et Tinel qui intercepte et qui marque le premier but pour les champions de France en suite avec une mauvaise relance dans la zone défensive des Grenoblois. Ça coûte cher. Ouais, ça c'est des erreurs de jeunesse seulement du côté de Grenoble. C'est pas la première fois dans ce match. On avait déjà vu un 2 contre 0 devant la cage. Et là on laisse une nouvelle fois un joueur de Rouen tout seul devant la cage. Et quand on connaît la qualité des buteurs dans cette équipe rouennaise, on peut pas se permettre ce genre d'erreur, notamment face à Tinel. C'est des chasseurs de but. Et regardez, on va tout le monde vers le pub, tous les joueurs, on veut finir les mises en échec. Récupération pour Graham Avenel. Derrière le but, on fait le tour de la cage, le rebond important, le tir et le but. Sur ce lancer, Alexandre Boulot, lancer à glace, qui trompe Sébastien Hélénen. Là voilà la réaction des brûleurs de loup avec l'homme qu'on vous a présenté tout à l'heure, le futur joueur de l'équipe de France, le franco-canadien Alexandre Rouleau. C'est son match pour essayer de renverser la tendance. Ouais, un bon travail hein, derrière la cage des attaquants. Là c'est Mathieu Leblond qui va recouper derrière la cage, qui essaie de prendre un tir, il rate un peu le puck et le puck va revenir sur Rouleau. Regardez, il va essayer de prendre un tir à la cage de Ilonen qui ferme bien son nom. Il fallait conserver dans la zone offensive, le tir à la bleue et l'occasion à contrat. Et quel arrêt, cette fois d'Ilonen, arrêt décisif de la jambière gauche. On revoit cette occasion, Philippe. Oui, superbe occasion. Il se présente tout seul, il essaye une fin du revers, il essaye de placer le puck. Regardez, bon arrêt, hein. Ilonen très rapide. Bon, Elomo dans le coin, qui récupère pour Rouen. Johan Allen, le défenseur finlandais qui trouve une solution dans la cage avec Topperier, le tir du runner et le tir encore de Samu Virta alors que Rebo est couché avec Avenel. Avenel un peu isolé, le lancer et attention à cette déviation alors qu'il y a eu un rebond très très chaud devant la cage rouennaise. Sivic s'approche du but, c'est bien joué avec l'interception de Jean-Philippe Paré qui peut aller vers le but maintenant. Paré face à Rouleau, Paré qui va au contact et qui va heurter le gardien de Grenoble, Sébastien Rebond. Oui, emporté par son élan, il n'a pas pu s'arrêter. Une fois qu'il était sur la glace, on va revoir. Il essaye de se mettre sur son revers, de protéger le puck, d'amener le puck à la cage. Vous avez vu qu'il n'avait plus qu'une main. D'une main, il essaye quand même de prendre un tir sur Rebond et puis après, un petit peu accroché par le défenseur grenoblois. Il va percuter le gardien. Et l'interception dans la zone haute pour les Grenoblois, maintenant qu'ils sont dans la zone offensive, le tir non cadré. Ça revient de l'autre côté pour Michael Steiner. Avec Wimet, il a du champ, Wimet, le tir, le rebond et le troisième but. C'est un festival, le troisième but pour les Grenoblois. Ouais, très bon travail de Wimet dans la zone offensive. Sur ce but, il va contourner toute la défensive. Rouennaise, regardez, il est en haut, il attire beaucoup de joueurs. Il prend un tir à la case, sur la glace, qui donne un rebond. Et le joueur grenoblois, bien placé devant la cage, qui récupère ce rebond. Je pense que c'est Joris Pedin. Rouleau. De Menwilhomme. Avec Paré qui reprend ce panier. Le but! Le but, ce tir en entrée de zone alors que Rebond était très avancé. Il prend ce tir sur le côté droit, Sébastien Rebond.
Jean-Philippe Paré remet les deux équipes à égalité. Regardez. Oui, on voit, il se présente d'angle. Il a posé un bon tir du poignet, bien précis, le long de la crosse du gardien grenoblois à mi-hauteur. Un tir parfait, un tir de qualité. Et le gardien grenoblois qui est battu. Longue passe pour Jonathan Janil. Sous la pression de Graham Avenel. Manavian qui ferme bien la zone, le lancer de Manavian dévié. Et les Rouennais peuvent conserver le palais dans la zone offensive. Manavian en position, attention au lancer de Manavian, il est masqué. Et le but! Le but sur le rebond, encore Tinel! Encore Marc-André Tinel! Le coup du chapeau pour Marc-André Tinel! Un triplé pour l'attaquant canadien. On voit le bon travail, un échange de puck à ligne bleue, on met le puck à la cage. Bonne présence devant la cage de Sébastien Raymon. Et ce puck libre, c'est Tinel qui le récupère, une cage vide pour lui. Rouleau qui joue avec la bande pour dégager ce palais, récupéré aussitôt par les Rouennais. Fin de tir complètement à l'avantage des champions de France en titre. Et une interception de contrat avec Julien Bellac. Julien Bellac, la passe qui arrive, et le but pour Nicolas Arosamena. 4 partout. À la moindre petite erreur dans la zone neutre, elle se fait payer très cher. Là, c'est perte de puck. On voit juste la fin de l'action. Là, le bon travail de Bellac qui est patient, qui laisse le défenseur rouennais se toucher. Regardez, il va donner un superbe puck à Arosamena. Une reprise directe bas Ilonen. Superbe but, mais c'est parti d'une erreur dans la zone neutre. Perte de puck. Du côté des joueurs qui jouent en Scandinavie, il y a attention ce palais qui vide devant la cage. Et le bon geste défensif de Dufresne alors que Raymond était couché. Un mot sur Pierre-Edouard Benmar qui est revenu blessure, qui a joué hier en demi-finale du championnat suédois. On revoit cette occasion pendant ce temps-là. Ouais, Nicolas, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur les gardiens de but. Quand ils sortent très loin de leur but et qu'il y a un rebond ou un tir qui n'est pas vers la case, ben vous avez vu la difficulté qu'ils ont après pour revenir sur les deuxièmes pucks et les deuxièmes rebonds. Contre un. Avec Elomo à sa gauche, la passe coupée, c'est bien joué là de la part du défenseur grenoblois. Il n'a pas réussi à soulever le puck par-dessus la crosse du défenseur grenoblois. Attention, attention là. Le palais, ah, quel exploit de Raymond. Il y a tellement d'arrêts pour les gardiens qu'il faut quand même des exploits. Hein. Raymond encore. On va revoir sur cette image. Regardez, il a une cage vide et il remet le puck complètement à l'opposé. Il y a un excellent coup à jouer pour les brûleurs de loups pour aller chercher cette victoire. Sivic, quel but, le one-timer, Mitja Sivic. Quel but, quelle entrée de zone magnifique et quelle reprise de volée en pleine lucarne de Ilonen. Monstre tir de Mitja Sivic. One timer. Au revoir, superbe entrée zone. Regardez cette petite passe soulevée. Il se positionne et le tir en pleine lucarne. Il la prend comme il arrive. Le puck qui était un petit peu sur la transe et tout lui réussit. Mais toute sa hargne dans ce tir frappé en pleine lucarne. On ne peut pas avoir beaucoup mieux que ce tir placé. Manavian pour la contre-attaque. Manavian, le tir et l'arrêt de Sébastien Raymond, décisif. Un bel arrêt là. Il profitait Manavian. Regardez le défenseur grenoblois qui va perdre l'équilibre. Il profite à Manavian qui arrive à se présenter. Tir du poignet. Il était cadré, il était bon ce tir. Il fallait gagner par les grenoblois. On va pouvoir dégager. Il n'y aura pas de regagner des précieuses secondes, ça va être difficile, il reste que 10 secondes pour les Rouennais. Il a raté la cage, 8 mètres. 5 secondes, le tir de Desrosiers contré. La dernière chance pour Rouen et c'est fini.
cage. Rouleau, buteur en power play hier sur un rebond. Sivic, le tir. C'est bien joué. Le slap de Sylvain Buffen qui va au fond défiler de Sébastien Ilonen. Très bonne circulation, Nicolas, dans ce jeu en supériorité numérique de la part des Grenoblois. On était patient, on a fait coucher le défenseur rouennais. Et puis c'est une reprise de volée de Dufresne qui passe sous le bras d'Ilonen. Mais en tout cas, on était bien été patient, on a bien fait circuler Puck, on a cherché la faille dans le système défensif rouennais du côté de Grenoble. Par les Rouennais qui se dégagent. Kevin Dussault. Attention, l'interception, Karl Mallet. Quelle erreur ! Karl Mallet et l'arrêt ! L'arrêt de Raymond ! Le palais toujours vivant ! Et le coup de sifflet. Il a sifflé, il n'avait pas vu que le puck était libre devant la cage. Je pense que c'est un arrêt du masque de Raymond sur cette occasion, sur cette erreur de passe. Regardez. Exact. Ce tir du revers, arrêté du masque pour Raymond. Et là, le puck était libre et l'arbitre qui a sifflé une erreur de relance de la part de Kevin Dussault. Ces petites erreurs qui ont coûté des buts déjà hier pour Grenoble. Attention à ne pas les renouveler trop souvent parce qu'on sait. Ça convient à hauteur d'un triplé lors du match 2. Attention le contre, Aquino tout seul. Aquino, il est accroché. Aquino. Oui, ça va être pénalty. Pour moi, c'est un pénalty, Nicolas. Le tir derrière, le jeu qui se poursuit. L'arbitre a levé la main. Il n'y a même pas discussion. Regardez, c'est une perte de puck des Rouennais en note. Aquino qui se présente tout seul. Regardez, il a accroché une fois, deux fois. Ça joue vite là avec ce nouveau power play, le troisième dans ce match. Le tir de Dufresne qui passe à côté, le rebond, la cage était libre. Quel slap manqué par un rouleau alors que... Ouais, vous avez vu, hein, sur un rebond, il avait la cage vide et c'est un arrêt réflexe. Vous verrez au ralenti un arrêt réflexe de Ilonen avec sa crosse, qui met sa crosse en opposition et qui arrive à stopper la course du puck pour éviter le deuxième but. Darcy Berenka pour Julien Desrosiers. Rosier, toujours un excellent manieur de palais des Rosiers. Il se fait contrer. C'est toujours une menace permanente pour les défenses. Regardez, il récupère des Rosiers là. Des Rosiers, alors il y a un relais qui va à la cage. C'est de Lamperrier qui marque. Le rebond, une nouvelle fois décisif. Lamperrier qui était tout seul. Grosse erreur défensive des Grenoblois qui ont laissé tout seul Loïc Lamperrier, le joueur de l'équipe de France qui marque et qui égalise pour un but partout dans la dernière minute du tiers. Ouais, quel travail, Nicolas, sur ce but de Julien Desrosiers tout au long de cette présence sur la glace. Il a perdu le puck une fois, il a été le récupérer à la bande, il a gagné son duel le long des bandes sur le côté. C'est lui qui donne depuis l'arrière de la cage un super puck à Lamperrier, laissé libre de tourner la cage devant la cage grenobloise. Début du deuxième tiers, Guenette face à Tartari, l'engagement gagné par Rouen. Berenka. Guenet. Ça passe pour Tinel. Poteau, et le but. Le but sur un contre malheureux pour les Grenoblois. On va revoir cela au ralenti, mais c'est encore le diable Tinel qui est à l'origine de ce but. On va voir l'entrée de zone, superbe entrée de zone, bonne distribution de puck, le reprise, le tir direct, le poteau. Et c'est le joueur grenoblois malheureusement qui met ce puck au fond de sa case, il tape les deux patins du joueur grenoblois et le puck qui va dans la propre cage, dans sa propre cage. Jean-Philippe Paré. Le tir de Rec et ce palais qui va dans la cage. Ah, il est fou furieux Sébastien Raymond. Allez, fou furieux. Oui, je pense que c'est un autogol encore une nouvelle fois sur ce tir. Il a dû faire le premier arrêt. Je pense que ça a touché encore un défenseur. Là, il serait mieux de reprendre son calme, sa concentration. On va voir ce tir de Reiss ici. Touché, dévié. Ouais, dévié devant sa cage, juste devant lui. Regardez, voilà. À ce moment-là, c'est le défenseur grenoblois qui passe devant la cage. Je crois que c'est même pas le défenseur, c'est Desrosiers qui passe devant le gardien de but et qui touche ce puck et qui dévie juste le puck suffisamment pour le mettre au fond des filets. Et Raymond qui est complètement hors de lui, qui a été
cassé sa crosse, il a été au banc. Ça fait plaisir de voir un match de finale ce soir. Ouais, c'est vrai que j'ai passé quatre bonnes années ici, j'ai des très bons souvenirs et voilà, j'en souhaite bonne chance aux deux équipes en tout cas. Quatrième but là, ça commence à se compliquer. Là, c'est vrai que Grenoble a mal commencé la deuxième période, ils ont pu le faire par le passé. Et en tout cas essayer de revenir dans la deuxième période pour avoir une chance dans la troisième. Merci beaucoup. Steiner. Lunette. Oh, quel but! Quel but dans la lucarne en entrée de zone pour Grenoble avec François Ouimette qui redonne de l'espoir aux brûleurs de loups sur leur glace. Il reste encore du temps dans ce deuxième tiers et Grenoble revient à 4 à 2. Regardez. Il va faire du bien ce but, un superbe tir du poignet. Regardez Ouimette qui se sert du défenseur en opposition en pleine lucarne une nouvelle fois de Sébastien Lamel. Regardez, on s'emmène un petit coup sur le revers, sur le coup droit, on libère les mains et puis on se sert du défenseur en opposition pour rouleau. Janil va être le premier sur le palais pour dégager à nouveau. De l'autre côté, c'est Dufresne qui ferme la zone. Bonne pression là pour l'instant des Rouennais. Maintenant, on arrive à installer mieux du côté de Grenoble. Ouais, jolie passe de Rouleau. On essaie de s'approcher de l'enclave. Il n'y a pas de Grenoblois devant la cage. Rouleau se positionne. Dufresne le lancer. La déversion de Rouleau. Ouais, une nouvelle fois, bon travail des Grenoblois dans ce jeu en supériorité numérique. Une fois qu'on a réussi à se mettre face aux yeux et à se faire des passes, et ben on a réussi à décaler. Voilà, Dufresne et Rouleau qui va se présenter juste avec le bout de sa palette pour faire dévier le tir. Voilà, vous avez vu le petit geste de Rouleau au milieu qui va faire dévier le puck entre les jambières du gardien rouennais Ilonen. Et les Grenoblois, encore une fois, à l'énergie, à la volonté, qui reviennent dans ce match. Souzarini, Julien Bellac. Bellac fait le tour de la cage, le capitaine a accroché, Parmanab, en pas de pénalité. Bellac, la passe dans l'enclave. Rouleau en position, Rouleau qui lance, et le but! Oh! Alexandre Rouleau est exceptionnel! Deux buts! Quel match de Rouleau! Ouais. Regardez, on va voir, il va récupérer le puck, mais surtout c'est la feinte ici qui fait pour enrhumer deux joueurs de Rouen. Il se présente là du côté de Rouen, on a ouvert le système défensif trop facilement et Rouleau, on sait la qualité de son tir, quand il se présente tout seul ici, une nouvelle fois, il trouve la lucarne du gardien rouennais Ilonen, et puis après emporté dans son élan, il va emporter aussi le gardien rouennais. Jean-Philippe Paré, Dussault, Van Avenel pour l'accélération grenobloise. Mathieu Leblond. Leblond qui passe derrière la cage. Leblond qui conserve le palais, la passe. C'est bien joué avec Ouimette qui lance, c'est le but. Le but de Ouimette, le doublé pour le Québécois. Et Grenoble repasse devant dans ce match. François Ouimette. Ouais, super tir de François Ouimette, mais bon travail de Mathieu Leblond pour amener ce but. On va voir depuis derrière la case, on ne le voit pas là à l'image, mais c'est lui qui fait le travail dans la case, qui fait cette super passe. Ouimette qui se décale. Voilà, on revoit Mathieu Leblond maintenant depuis derrière la case. Il déborde le défenseur, résiste à la charge du joueur rouennais. Patient hein, pour trouver la passe juste pour Ouimette qui se décale bien, se libère. Bon tir du poignet, une nouvelle fois dans le haut du filet de gardien rouennais. Ilonen sort. Non, il n'est toujours pas. Il ne voit pas. Il a vu Rodolphe garder cache vide. Cache vide. Et la passe. C'est fini. Le but pour Desrosiers. Que bon, Nicolas. Il va prendre 10 minutes car mallette par les arbitres.
Il y a une gourde qui a été...